je vais passer par là, je pense. Alors, nous, c'est la société, le studio Winbridge. On a créé la société il y a 2 ans avec un premier projet. On a construit un studio photo 360 pour faire l'effet Matrix, l'effet Bullet Time, avec des tourages fond vert, ce qui nous permet d'incruster à 360 degrés des gens dans un décor choisi. Donc ça, c'est un projet où on a eu envie d'amener des sensations de vol en réalité virtuelle. Donc on a décidé de créer ce simulateur de parapente complètement actif. Donc là, il est en vol plus ou moins tranquille, mais on peut déjà remarquer que la sellette s'incline à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et c'est lui qui est complètement maître de ce qu'il fait. Donc on a créé un premier jeu pour ça. On est dans un monde plutôt Grand Canyon. C'est assez simple, vous tirez à droite, vous allez à droite, à gauche pour aller à gauche. Pour monter, on tire les deux ensemble, pour redescendre, on relâche. C'est simple, c'est instinctif. Le but étant de se régaler et d'avoir des sensations de vol. Le but là, c'est dans un premier temps le voir en mode jeu, très ludique. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir faire de la découverte. Donc la découverte d'une ville, pouvoir faire un vol dans une ville par exemple. On peut imaginer Montpellier, les points d'intérêt de Montpellier, les centres d'intérêt, le Zénith, le Quorum, des choses comme ça, où les gens pourraient venir voler autour, voler dans la rue de la Loge, ainsi de suite. Voir d'autres sites, le Pixel ou, et d'autres éléments un peu plus comme ça, connus pour les gens. Alors là, actuellement, ben, on sera ici à la Halle Tropisme. On est en train de finir notre atelier. On aura un gros atelier parce qu'on a besoin de place pour développer des choses comme ça. Et actuellement, c'est fixe ici, mais en fait, nous, on l'a prévu modulaire. Donc, on va où on veut. On le démonte, on le rentre dans un camion à plat, on traverse la France, le monde, partout. Et on le remonte ailleurs pour le rendre accessible à d'autres personnes.